Bon, alors bonjour et salut à tous et à toutes. Nous sommes dans une autre vidéo de Bizarriens. J'espère que vous allez être bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Et comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, je suis brésilien. Eh bien oui, c'est bien vrai, je suis brésilien. Et n'hésitez pas à mettre plein de j'aime à cette vidéo si vous ne le savez pas, si j'étais brésilien. Et même si vous savez déjà, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Hein. Et abonnez-vous, ça serait encore mieux. Alors, ce que je voulais vous dire, oui, je suis brésilien. Alors, oui, je suis née au Brésil, à une île appelée, à une ville appelée Recife. Après ça, je suis restée au Brésil pendant 5 ans. Après ça, je suis venue au Canada, à Montréal. J'ai dormi là-bas pendant une journée. Après ça, je suis allée à Bécancour. J'ai dormi, j'ai resté quand même là-bas pendant à peu près un mois ou deux mois chez quelqu'un, un ami. Après ça, on est allé, on a encore resté à Bécancour. J'ai vécu là-bas pendant à peu près, je crois, un an. Après ça, j'ai redéménagé à Trois-Rivières. On a resté à peu près là-bas, je ne sais plus trop combien de temps. Après ça, on a redéménagé, je crois qu'ici, ouais. Et là, c'est ça, je suis ici à Trois-Rivières. Et ça, c'est assez cool. Mais il y a quelque chose que je trouve bizarre. Parce que quand je dis à quelqu'un, eh ben, je suis brésilien, eh ben, la personne a comme tendance à dire, parle en brésilien. Et moi, dans ma tête, c'est comme, c'est quoi cette langue? Je ne sais pas c'est quoi cette langue, la brésilienne. Je ne sais pas si vous savez plus que moi. Mais moi, je sais là que la langue que je parle, c'est portugais. C'est pas brésilien, c'est portugais. En fait, là, moi, je dis, ben, brésilien, ben, moi, je sais pas parler brésilien. C'est une langue d'un autre monde, je sais pas. Mais par contre, moi, je sais parler portugais. Alors, l'autre personne dit, ah oui, c'est ça, alors parle portugais. Là, je dis, quel mot que tu veux que je dise? Là, lui, il dit n'importe quoi, mais moi je dis, ah ben là, non, mais choisis, je peux pas dire n'importe quoi, choisis. Alors, après ça, je lui dis, non, tu choisis ou je dis rien. Alors, il finit par choisir et je le dis. Mais c'est ça que j'avais à dire sur le Brésil, mais quand vous dites, genre, ah, parle brésilien, c'est comme si vous dites, c'est comme si je vous dis, ah, parle québécois, s'il te plaît. Ou parle France, parle, je sais pas moi, parle chinois. Je sais pas c'est quoi cette langue chinoise, je sais c'est quoi, je sais que c'est le mandarin. Parle angleterien. Angleterien. Vous comprenez, c'est états-unisien. Parle états-unisien, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais parler états-unisien? Vous comprenez, c'est complètement par rapport. Et c'est ça. Un autre sujet, c'est que si vous avez vu ma vidéo de Minecraft, et ben dans ma prochaine vidéo sur Minecraft, c'est Lucky Block Challenge, oui, mais après ça, c'est une vidéo sûrement sur ça, et vous allez voir que j'ai fait beaucoup de choses hors caméra. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas triché. Je n'ai pas pris des choses en mode créatif, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, j'ai beaucoup de choses de citrouille, une grande plantation. De canne à sucre aussi, j'ai beaucoup de choses. Alors c'est ça que je voulais vous dire sur... je suis brésilien, au Brésil il y a de la bonne bouffe. C'est juste que oui, il y a beaucoup de voleurs là-bas. Mais sinon là-bas c'est très cool. Alors c'est ça que je voulais vous dire sur le Brésil, je suis brésilien. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ben, moi, c'était très plaisant de faire cette vidéo. Et... ne vous inquiétez pas, ce n'était pas faux ce que je vous dis sur ce que j'ai dit que j'étais brésilien. Alors, bye et à la prochaine vidéo!